tout sera dépensé à la promotion du cinéma espagnol. C'est-à-dire espagnol et français, à Trueba et à Carrière et à ma chère partenaire Louison, en me disant que notre film n'était pas seulement un film, mais que c'était un acte européen. Parce que vous, espagnol, vous avez fait un film qui raconte une histoire française en France. On a besoin de ça en ce moment, je crois. Et il est temps qu'un réalisateur français aille filmer une histoire espagnole chez vous. Et peut-être qu'on retrouvera un peu de morale partout grâce au cinéma, qui sait. En tout cas, ça a été, oui, on dit ça toujours, souvent, ça a été merveilleux, ça a été formidable. Mais là, ça l'a été exceptionnellement. Nous avons tous senti une motivation très très grande de faire ce film. Nous l'avons trouvé nécessaire. Et le résultat m'a personnellement bouleversé. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je m'apprêtais à dire exactement ce que Jean vient de dire. Donc, il m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai regardé dans le carnet. C'est un film européen, tant qu'il y a un personnage d'allemand dedans, dans le film. Oui, oui. À un moment donné, en plus, c'est pas seulement deux pays, mais, oui, oui, oui. Mais trois. Le plaisir de travailler avec Ferdinand, qui est venu me voir un jour, et je raconte quand même comment nous nous sommes rencontrés. Un jour, j'étais à Madrid, j'ai de longues relation avec l'Espagne depuis très longtemps. Je sors de mon hôtel, j'étais tout seul sur un trottoir. Une voiture s'arrête à côté de moi. Quelqu'un en sort et me dit, vous n'êtes pas Jean-Claude Carrière? Je dis si. Il me dit, c'est Fernando Trueba qui est là. Un bon. Bonjour, enchanté. Et il me dit, est-ce que tu voudrais venir dîner avec nous et quelques amis? Je dis une chose pareille, un hasard pareil ne se refuse pas. Une belle disait toujours, il faut toujours accepter le hasard dans la vie et le refuser dans les scénarios. Alors, je suis un fan, je crois. Et oui, plus ou moins, en faisant, mais très, très passionnant, dès le début, le sujet m'a intéressé pour la première raison, c'est qu'il était très beau et très, très étonnant. La seconde, c'est que je n'avais jamais traité une histoire pareille. Le tournage, j'y suis allé un peu, quelques jours, c'était tout à fait délicieux. Surtout de voir Aïda évoluer dans une tenue plus que légère, toute une équipe de cinéma. Et puis le bonheur de ne pas quitter, j'allais dire, de rentrer, non, mais de ne pas quitter l'Espagne, de ne pas quitter l'esprit ibérique, ce pays qui m'a tant apporté et auquel je reviens toujours avec presque plus que de la passion. Voilà. Merci. On a été tous présentés, on vous a présenté mon ami Martin Gamy, qui fait l'acteur dans ce film, qui est un grand contrebassiste que vous pouvez voir demain, peut-être au théâtre sur télé si vous avez le temps, avec Camille, mais qui est... C'est vraiment mercredi. Incroyable. Non, mais que j'ai demandé de jouer, d'être acteur pour moi dans ce film, je ne sais pas, il sera avec nous. Après, il va voir le film aujourd'hui pour la première fois. Vous pouvez après lui demander des questions aussi. Vous voulez dire quelque chose avant, Aïda, ou... Bonsoir. J'espère que vous va aimer les films, voilà, et on se voit après. Et merci pour venir. Super original. Merci. Pourquoi il a un cadeau et pas une famille? Ça fait si bien vieux. Ah, j'ai vu. Voilà, je voulais appeler Aïda, Martin,
Et Fernando? Non, parce que c'est vrai, il faut dire ça, parce que y a, c'est-à-dire, rien n'est complètement fictif, jamais. C'est-à-dire, quand n'importe qui écrit une fiction, que ça, ce soit un romancier. Donc, mais l'idole de mon enfance et de ma jeunesse, l'artiste que je révérais, c'était Picasso. Et un enfant, je lisais, voyais tout qui avait un rapport avec lui. Non? Aussi, Picasso, que tout le monde connaît très bien, j'ai toujours pensé que la partie de son œuvre qui est le moins connue ou le plus méconnue, c'est les dernières années de Picasso. Et je trouve, pour moi, c'est une des époques les plus fascinantes de toute son œuvre. Et peut-être les thèmes qu'il a les plus fréquentés dans les dernières années de sa vie, c'est le peintre son modèle, ou l'artiste son modèle, ou l'atelier de l'artiste. Il a fait beaucoup de tableaux, de gravures, de dessins sur ces thèmes. Et puisqu'il était d'une âge, il était vieux à cette époque, ces thèmes se confondaient avec les thèmes de la vieillesse et la jeunesse, avec la mort et le désir, non, avec le sexe comme une forme d'affirmation de la vie, non, de agarrarse, non, s'accrocher à la vie d'une certaine façon. Et ça m'a... C'est un truc compliqué parce que c'est une première fois, donc c'est un peu comme déjà de se supporter et en même temps de découvrir la beauté des images et tout ce que ça racontait, en dehors de toute l'émotion de retrouver toutes les choses que j'ai pu ressentir sur le tournage. C'est un peu cette histoire de famille. C'est laisser les gens à son max, s'épancher dans l'intimité de l'atelier de l'artiste et voir son travail. Ça, c'était voir cette intimité. Non, au lieu de l'œuvre dans sa mire d'une galerie ou d'un musée. Dis quelque chose, je t'en prie. Non, si je te parle d'art. Ouais. J'ai parlé beaucoup avec Fernando, de tout, mais sur l'art. J'ai découvert le monde entier sur l'art. Il m'a montré qui était, je sais pas, Manuel Huguet, Picasso, Matisse. Et quand je suis venue ici à Paris pour pratiquer le français, je suis allée chercher des sculptures du femme nue. Et par exemple, il y a la Méditerranée, il y a les jardins de Tuileries, il y a les musées d'Aristide Maillol. Je m'intéressais beaucoup par Dina Vierny, qui était sa muse. Et j'ai trouvé beaucoup de choses très très intéressantes. Et en plus, il m'a montré beaucoup de livres, de brassages, je ne les connaissais pas, de Cartier-Bresson, etc. Et alors, c'est les métiers d'actrice, il faut apprendre beaucoup de choses. Et avec plaisir, j'ai appris une langue, à poser comme modèle, de l'art, à supporter Jean Rochefort, Fernando. Non, c'est pas vrai, c'était un plaisir. Et j'ai appris beaucoup de nous quitter, et un remerciement énorme à Christian Backfilm et pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées pour organiser cette projection. N'oubliez pas que c'est une avant-première, que le film sort le mois prochain, le 13 mars, pardon. Et que nous, on a un rendez-vous le 11 mars avec un autre artiste, José Sacristán, autour de L'Hombre y Ser Feliz de Javier Rebollo. Mais ça, on vous